Paul nous a dit dans le fond qu'on a fait des problèmes. Ouais. Bah ça marche. En fait, Christophe, je sais pas. Ouais, c'est pas grave. C'est le matinal, en fait, c'est en gros un format 30 minutes où tous les jours on présente une actu différente. Donc là, l'idée c'est qu'on la fasse ici. Donc on parle un peu de produit. Ouais. Et ensuite, on va passer au deuxième étage pour parler de client, tout ce qu'on peut faire pour la marque. D'accord, pour ce qu'on fait. Voilà. Et Christophe, comment en fait tu... Bah là, j'ai démarré la matinale, je suis en train d'attendre que les gens se connectent. Okay. Et ah oui, c'est du live, hein. On a pas, c'est sans filet. Hein. Ah, non, c'est sans filet. Là, par exemple, c'est rouge. C'est rouge. Et... Salut, Joachim. Déjà, tu vas me rassurer sur une chose. Est-ce que le son est bon? Parce que tu sais, c'est toujours mon problème de tous les jours. Est-ce que le son est bon? Est-ce que ça passe comme tu as envie? Est-ce que c'est bien? Quelle heure il est? Ah oui, tu vois. Eh ben, je vais dire qu'il est presque midi. Ça veut dire qu'il est 6 heures en Guadeloupe. Et aujourd'hui, c'est une matinale spéciale pour les Caraïbes. Ah oui, c'est comme ça la vie. Non, 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 bah hier, je dis déjà l'after, c'était déjà quelque chose de, voilà, on est sorti, devait être minuit, il pleuvait, on a refait le monde, on a fait des tas et des tas de choses. Et puis voilà, donc ce matin très tôt, j'ai pris la route, Lyon-Aix, je suis ici à Aix. Je vais te montrer quelques photos tout à l'heure de l'extérieur, quand j'aurai le temps de prendre et tout. Mais surtout, effet waouh chez CrossCall. Eh oui, t'as reconnu. Voilà, c'est pour ceux qui suivent bien, parce que je sais qu'il y a quelques-uns qui suivent tranquillement, qui sont, ils ne disent pas grand-chose, mais ils suivent bien. Et ben vous, si vous vous souvenez, on avait été à Barcelone faire un petit tour sur le stand de CrossCall, où on nous avait présenté celui-là, le fameux le Trekker X4, et puis tous les accessoires qu'il y a dessus. En fait, si tu veux vulgariser, moi c'est ce que je dis, c'est un produit qui se rapproche, tu vois la GoPro, voilà, et ben là c'est la GoPro mais plate, voilà, cherche pas, c'est un truc qui fait simple. Il y a Benji qui est en train de tester ça avec, d'ailleurs je crois qu'il a acheté les trucs, enfin il teste ça en temps réel et on fera un spécial pour t'expliquer comment toi pendant tes vacances, tu vois, sans être forcément un sportif de haut niveau, hein, qui est quand même un peu la marque de fabrique de CrossCall, mais être quelqu'un, un père de famille ou même pas, parce que moi je sais qu'en ce moment c'est un petit peu chaud avec ta femme, et ben comme quoi ben, tu peux faire des choses extraordinaires, parce que ça permet des choses extraordinaires. Moi le truc qui m'a vraiment épaté, ben tiens, viens, je vais te montrer ce qui m'a épaté, viens, viens. Ah si, je peux continuer à filmer. Voilà, ce qui m'a épaté, c'est ça. Moi je m'épate de très peu de choses, regarde. C'est une espèce de perche qui fait trépied. Et ça, c'est bête, mais... C'est incroyable comment ça rend la vie bien. Parce que tu as toujours une perche en main, puis à un moment donné, tu n'en as plus besoin, tu ne sais pas quoi faire avec. Et bien avec celle-là, avec le trépied, tu fous. Et c'est nickel. Ouais. Donc ce jeune homme, c'est depuis ce matin que je suis arrivé, il n'arrête pas de me filmer. Comment tu t'appelles? Lucas. Lucas. Oh, tu as un accent, t'es espagnol? Pas du tout. Ah, d'accord. Absolument pas. En fait, j'ai rien dit, mais on est du côté d'Aix en Provence. Hein. Donc s'il y a des gens d'Aix qui veulent venir nous voir, c'est pas possible. C'est pas là. Ok. Bah écoute, merci. Avec plaisir. Ah, continue à filmer, c'est bien. Bah ouais. N'oublie pas que j'ai besoin de tes images. qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'on peut. Parce que, tu vois pas, mais de ce côté-là, avant que je. Où on l'air, je fais les anniversaires et puis on passe après au truc. Tu t'en fous, il est midi, de toute façon, tu vas aller manger. Ah, et puis bon, ceux qui sont en replay, vous savez, vous vivez la vie à côté de nous. Il y a Paoli qui est là, t'en bouges pas. Je dis déjà bonjour aux gens. Bonjour, 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 bonjour. Je voudrais pas les choquer, les gens de chez CrossCall. Ils vont dire, mais attends, il fait son truc, il dit n'importe quoi et tout. C'est pas TF1, non, ça c'est pour sûr, c'est pas TF1. Je vais garder qui est là. Oh, il passe bien à l'image, Lucas. Il est presque plus beau que moi. J'ai rien dit, mais on est... Il y a un petit peu de décalage, c'est normal. Je voulais regarder, oui, il y a Paoli, il y a Jeuneux. Salut Jeuneux, Jeuneux qui nous regarde de La Réunion où il est 2 heures de plus. Donc c'est déjà l'apéro et fait, on est presque à la sieste. Voilà, j'ai vu personne de... Ah si, voilà, ce que j'adore. Mathieu, tu peux venir. Parce que quand je parle comme ça, ils se disent, bah, à qui il parle? Toi, t'es grand, donc il faut que tu baisses la tête. Alors, ce que je voulais te dire, c'est que tu vois, il y a Nathalie, salut Nathalie, qui est aux Caraïbes. D'accord, ok. Hein, bah, Nathalie est en Guadeloupe. Tu vois, je vais dans 15 jours. Voilà, et Jeuneux qui est à La Réunion. Okay. Alors, je ne sais pas si tu vois, on a 8 heures de décalage entre ces deux personnes. Et nous, on est au milieu. Ça te fait pas quelque chose? Mais c'est top. C'est hein? top ça c'est fait top. Quelque chose. Voilà. Et tout ça, bah, c'est tous les jours, c'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais souhaiter les anniversaires, parce que tu sais qu'au départ, je t'explique un petit peu comme ça, j'en profite. Et puis ça permet à certains qui déboulent, parce que tous les jours, on a des gens qui déboulent. Tiens, ils tombent là-dessus. D'expliquer pourquoi la matinale. La matinale, c'est le lien. C'est un peu comme si on avait une machine à café et qu'on est là tous les deux. On vient d'arriver au boulot.
Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un café? 11h30. Ouais. Les mecs, ils arrivent au boulot à 11h30, c'est pas. Excuse-nous. Non, oui, non, mais je suis orange. Je suis orange, c'est comme ça. Et donc, on souhaite les anniversaires. Aujourd'hui, joyeux anniversaire à Bezouin Mehdi. Alors, en plus, quand je souhaite les anniversaires, je m'arrête sur le nom des gens que je connais, vraiment dans la vraie vie. Bezouin Mehdi, je l'ai connu à Bordeaux. Super influenceur, le gars, Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook et tout, il est au top. En plus, c'est quelqu'un qui voilà, il a l'info toujours au bon endroit, qui sait tweeter la bonne phrase. Donc voilà, il prend un an de plus. Alors, je ne sais pas si tu te bonifies avec cette année de plus. En tout cas, des bises et des bulles pour toi. Ensuite, il y a Stéphane Mathieu, que je connais aussi. Il y a des joueurs comme ça, je les connais tous. Stéphane Mathieu, alors lui, c'est souvent, il accompagne toujours cette magnifique fille qui s'appelle femme, qui s'appelle Isabelle. Toujours dans des bons coups, il est toujours rugby, toujours une coupe de champagne à la main. Le top, ouais. Muriel Brandiba, Romuald Saïd Mohan, Anne Mestre, Ludivine, Michael, David, Marlon. Marlon, je connais aussi, c'est un artiste peintre. Ben tiens, tout à l'heure, je te montrerai des belles œuvres d'art qu'il y a dans votre espace. Reste avec nous, parce que je vais te dire que ce que tu vas voir dans la petite visite de Crosscall, ça mérite. Il y en a certains là dans leur bureau qui vont dire, c'est là-bas que je veux aller. Après, on te filera l'adresse de Mathieu et tu enverras ton CV. Marlon, qui est un très bon artiste. Eve Brisbar. Alors, Eve Brisbar, qui est à la boutique de Bordeaux, que j'ai connue le même jour où j'ai connu Mehdi. En fait, on avait fait un événement pour inviter les influenceurs de la ville de Bordeaux. Et j'avais été invité et les deux, je les ai connus ce même jour. Donc, Eve, qui est en plus très engagée du côté Afrique, tu sais, pour aider, aider en Afrique. Des puits, des trucs, des scolaires. C'est beau. C'est beau. Et ça aussi, c'est l'esprit orange. Tu vois, d'avoir envie de donner de soi pour partage. Les autres. Ben voilà, partage. Vincent Cadraon, je le connais. aujourd'hui, c'est vraiment le jour. Vincent Cadraon, il est très efficace sur le e-sport. C'est un joueur, alors je ne sais pas de quoi il joue, mais enfin, il joue aux consoles et tout. Il était alternant chez nous, alors maintenant, je pense qu'il doit être embauché. En tout cas, c'est un technicien. Voilà, et puis, voilà. Taylor Durden, Laure Pansu, Yann Fous, Wajdi Romdan, Damien Perrault. Pierrot, Yamina Sbahi aussi que je connais mais je ne sais plus où, ah, excuse-moi Yasmine, mais je ne sais plus où je t'ai vu, mais je t'ai vu. Manu Génie, Salomé Berthaud, Angélique Garraud, Philippe Hunier, Adrien Fu, Sophie Panetier-Chavannes. Non mais bah, tu fais exprès de t'appeler comme ça. Mariage, oui, ouais. Tu as rien deviné, t'as vu comme, moi j'invente rien, il a deviné et quand on mélange les noms comme ça c'est qu'il y a mariage. Jocelyn Cuzon, Charlène Dejoin, Walid Rawani, Hervé Merlina, Roger Tchoula et Nicole Abinamba Oloko. Bis et bulles. Profitez-en, quand on prend une année de plus, en général, c'est qu'on devient sage. Voilà. Qu'est-ce que toi, ça te fait quand tu prends une année de plus? Parce que tu as ton anniversaire. D'ailleurs, c'est quand ton anniversaire? Le 19 mai. Ouais. Note. Retour des Caraïbes, ouais, c'est ça. Ah, tu vas pas passer ton anniversaire là-bas? Non, je serai rentré. Bah non, faut que je tu vas aux Caraïbes, tu vas où? Je fais Guadeloupe et Martinique avec Orange. Ah, ouais. Écoute, quand tu vas aller... Écoute, on va faire... Ah, tu vas pour l'OBT? Ouais. Très bien. Alors, je sais que... comment elle s'appelle, Nadou, tu vas regarder le replay parce qu'à cette heure-ci, tu n'es pas encore en train. Regarde bien ce jeune homme, il va venir pour l'OBT. Je sais que tu vas aller à l'OBT, donc j'exige un selfie entre Nadou et lui. À l'OBT, n'oublie pas, en Guadeloupe. Allez. Mathieu, voilà. Mathieu, il s'appelle. Mais de toute façon, on va aller entre eux. Ah, salut Pegasus, salut Muriel. Muriel qui est là, ça tombe bien, c'est son anniversaire, donc elle est là. En général, c'est ça, les gens ils viennent le jour de l'anniversaire. Génie qui est là, Génie, maintenant tu suis beaucoup. Chalala, Olivier Jean-Jacques et Philippe Gourgochon. Ouais, bon anniversaire. Bon anniversaire. Je ne le fais pas chanter parce que... Bon, non, fait... non, je ne suis pas forcément préparé à l'exercice de la caméra. Il fait un super soleil. Si, vous êtes bien. Il fait un super soleil pour l'instant. On va essayer de garder ça. Alors, Crosscall, on va parler un petit peu de Crosscall. Ouais. Hein, c'est un petit peu le truc d'aujourd'hui. D'ailleurs, merci de me recevoir ici parce que... Voilà, c'est la première fois que je me sens important au point, toi, on arrive, on me présente et tout. Mais tu vas voir, ça vaut le coup. Et je sais que beaucoup m'envient d'être là aujourd'hui parce que bah, c'est pas tous les jours. J'ai envoyé une demande à Apple, ça traîne. Je trouve que ça traîne. Voilà. Alors, Crosscall, je vais raconter un petit peu moi comment je t'ai connu. Ouais. J'étais à une réunion d'ambassadeurs digital, enfin bon bref, un truc où on parle entre nous. Et il y avait un tech qui était là, qui avait un téléphone, ce type de téléphone, il l'avait dans la main, il la pose négligemment, mais il la posait un petit peu, genre le gars énervé, quoi. Il le pose. Et puis moi, tout de suite, quand je vois un téléphone qui tombe un peu violemment, je dis « Oh !» Il me dit « Non, mais ça risque rien. » Je le prends dans les mains, je croyais que c'était une coque en fait au départ.
puis je dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est? Et puis bon, ce gros appareil et tout, bon, il savait pas trop m'en parler. Bon, c'était un tech. Le gars, il savait utiliser, mais il voulait pas trop s'emmerder à m'en parler. Et puis, une semaine après, Mathieu m'appelle. Voilà, tu vois. Et j'étais étonné d'ailleurs, mais je me suis dit, mais il lui en a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait, j'ai su que tu animais la communauté Orange. Mmh. Je me suis dit, tiens, ce serait quand même sympa de faire parler un peu d'une marque française et de parler un peu de CrossCall chez Orange. Voilà. Donc, voilà. Déjà, tu as vu, il a passé deux informations. Il a reconnu officiellement que j'animais une communauté Orange. Ce qui veut dire que si tu rencontres mon patron, voilà, ça c'est de la chose. Deuxièmement, il a dit que CrossCall était une marque française. Parce que sous ces airs de CrossCall, au départ, on pense Land Rover. Ah oui, moi c'est le premier truc, CrossCall, je me suis dit, tiens, Land Rover, j'ai vu, voilà, Crossover, un truc comme ça. Voilà. Et donc là, il dit, c'est une marque française, et c'est très bien, ça veut dire que c'est une marque, voilà. Bon, tu peux nous en dire un peu plus? Bah, en fait, CrossCall, c'est une marque qui a 10 ans, qui a été fondée par Cyril Vidal. Et en fait, pour la petite histoire, il avait deux passions, enfin deux activités, il faisait du jet ski, et il bossait également chez L'Oxam. Et en fait, l'idée, c'était... Ah, L'Oxam, ouais, exactement, BTP. Location. Et l'idée, effectivement, c'était de créer un produit qui permettait de t'accompagner sur tes deux activités, tes deux univers. Mmh. Et donc, on répond à ce besoin de résistance, de robustesse, d'étanchéité, d'autonomie. C'est la promesse CrossCall. On a trois... Alors, je sais que moi, dès que j'ai connu ça, j'en ai un petit peu parlé dans les boutiques chez nous. Alors, ouais. C'est vrai que c'est connu. C'est connu, alors, pas par tout le monde, mais en général, bon, on sait bien. Et je pense que ce sont les clients qui viennent réclamer. La force de CrossCall, c'est ça, c'est que c'est les clients qui viennent dire « Dis donc, vous n'avez pas un téléphone robuste qui peut faire ci, qui peut faire ça ?» Voilà. Complètement, ouais. Moi, en fait, on a une promesse vraiment hyper unique sur le marché. Et ce que tu disais, c'est vrai, c'est qu'on a une grosse communauté en fait, d'utilisateurs, d'ambassadeurs également. Tout à fait. On va en parler un petit peu plus tard, mais qui utilisent nos produits. Et en fait, plutôt que de parler de technique, nous, on parle d'usage. Exactement. Et moi, je me sens très proche de ça parce qu'évidemment, Serge le dira, je suis proche de cette idée qui dit, l'usage, quand on fait quelque chose, on ne va pas parler de spécificité. Ouais, mmh. Ça fait des photos de 14 milliards de pixels. Ouais, des photos qui, voilà, non, on est, voilà, j'ai fait une photo, elle est belle, tout c'est ça. Donc, ce qu'il y a aussi de bien, c'est qu'on a parlé de la perche tout à l'heure. C'est vrai qu'elle est, franchement, c'est un truc, c'est l'effet waouh. Mais toutes ces petites choses, comme là, tu vois le fameux harnais sur lequel tu mets ton téléphone. Ouais. Le truc qui tue aussi chez vous, on va peut-être avancer vers, c'est la façon dont tu connectes le truc. En fait, c'est une techno, moi je la présente rapidement, mais c'est une techno qui s'appelle X-Link, qui est brevetée par CrossCall. Et c'est une techno qui permet d'étendre l'usage de ton smartphone avec un univers, un écosystème d'accessoires, donc qui est magnétique. Mmh. C'est pas de l'induction, hein, c'est magnétique. Donc ça permet de fixer un accessoire, charger, recharger. Là, c'est le cas du X-Dock. Mmh. Également transférer des données. Le X-Dock, là, tu le vois pas, mais il y a un petit câble qui est branché à un PC, en fait, permet d'échanger tes données et d'accéder à la mémoire de masse. Mmh. Et donc, en fait, on a tout un univers d'accessoires qui permet vraiment d'étendre l'usage. Là, tu as le X-Car. Ce qui est génial, c'est que tu arrives, tu es dans ta voiture, tac, tu as juste à brancher. Pas forcément besoin de sortir le câble, la connectique, voilà, c'est vraiment sans contrainte. Et on a le X-Tink, on a le X-Chest, tu as vu. Ouais. Tu vois, ça, c'est le, ce qu'il y a de bien avec toutes ces choses-là, c'est que ça correspond. Bon, déjà, c'est unique. Hein, c'est... Ah, t'as fait exprès. Ah, ça s'est déclenché. C'est-à-dire que même le showroom est un petit peu, tu vois, un peu hors de. Voilà, c'est pas comme on a d'habitude. Non, mais ce qu'il y a de bien avec tout ça, c'est que ce sont des choses qui sont utiles. Quoi. Enfin, je veux dire, on se demande comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé. Parce qu'on est toujours en train d'acheter des docks pour la voiture, des choses de marque plus ou moins aléatoires. Là, c'est penser avec l'appareil. Penser pour l'utilisateur. Voilà. Et puis, alors là, je te laisserai aller regarder. C'est que CrossCall, eux, alors c'est voilà, sport extrême, les mecs qui baroudent. D'ailleurs, tu auras l'occasion de le voir sur l'Armor Cup, si je ne tombe pas à l'eau. Ah oui, je réfléchissais avec quoi on va le fixer dans le bas sur bateau. Avec le X-Bike. Voilà. On peut le fixer avec le X-Bike qui est juste derrière. Regarde. Parce qu'en fait, tu te dis, ouais, c'est sur un vélo, mais on peut mettre sur un mât, sur un bateau. Voilà. Tu mets ça sur le bateau, puis on va voir ça comme ça. Tiens, il y a aussi ça. Très bien. Et il y a Benjamin, alors je ne sais pas si tu es en ligne, Benjamin, mais Benjamin a promis de nous faire un petit... très prochainement, il fait une espèce de course, ça va, du côté de Strasbourg. Et c'est lui qui a le X4 en ce moment, parce qu'il y a une des fonctionnalités que j'adore, qui est l'histoire de montage rapide, que nous avait présenté ton collègue. C'est ça.
Eh ben, ouais, tu veux que j'en parle ? Oui, vas-y, parle-en. Ben, en fait, la particularité sur le Tracker X4 qu'on a lancé l'année dernière, c'est d'avoir intégré en fait une action cam sur un smartphone. Là où finalement le marché parle beaucoup de photos, nous on parle de vidéos. L'idée, en fait, on s'est rendu compte que nos utilisateurs de produits outdoor, généralement, ben, ils avaient tous une GoPro. Quand ils pensaient partir sur des sessions de ski, de tout ce qui est activité outdoor, généralement ils oublient la GoPro, ou quand ils l'ont, elle n'est pas chargée, etc. Une fois que tu as fait un film, c'est pas forcément automatique de faire le montage ensuite et de le partager. C'est ce qui prend le plus de temps. Hein. Exactement. Ouais. Et donc c'est assez fastidieux, et on s'est dit finalement pourquoi pas regrouper tout en un, capturer l'instant, éditer et partager. Tout à fait. Et donc en fait c'est ce qu'on propose avec la X-Cam. Et en fait on crée nos X-Stories que tu partages directement en ligne. Et c'est ce que partagent notamment nos ambassadeurs. Tout à fait. Sur Facebook, Insta, etc. Et donc c'est là où Benjamin, c'est ce qu'il va faire très bientôt, c'est qu'il va filmer sa journée d'activité. Et ensuite, on fera sûrement un live sur comment il a fait, sans beaucoup de temps, tu vois, amener tout de suite un produit directement consommable. Parce que le truc, c'est que voilà, tu fais un montage qui dure 5-6 heures de temps. Les gens, ils te regardent ça en 2 minutes, voire même ils ne vont pas jusqu'au bout parce qu'ils se font chier dès le début. Donc là, voilà, on te donne... Ce que j'ai vu de la pub, pas de l'exemple qui est dans le truc, j'ai trouvé ça magnifique. Alors ben je me suis dit, voilà, on va mettre quelqu'un dans la vraie condition. Hein, donc il va démarrer ça, et puis moi, peut-être, à la remorque, je ferai pareil. C'est-à-dire que même si je tombe à l'eau, on aura récupéré un petit peu d'image. Tranquille avec Roscoe. Voilà. C'est étanche. Salut à Lionel qui nous a rejoint. Martine, comment ça va, Martine, à Paname? Oui, parce que là, attends, je te montre, hein, juste comme ça, vite fait. Regarde le soleil qu'il y a là dehors. Voilà. On est à Aix, tout va bien. qui d'autre qui est là? Il y a Pascal. Oui, Pascal. Et n'oublie pas, demain, sur la promenade des Anglais, matinale à 10h. Petit running. Hein? Petit footing avant nous. Ouais, Pascal, lui, pas moi. Pascal, oui, Pascal, c'est vrai que j'ai vu que tu voulais faire le marathon de je ne sais pas où, là. Franchement, oui, on peut imaginer ça. Moi, je commence la matinale et puis tu cours derrière moi, en fait. Tu passes, hop, tu repasses et tout. Puis à la fin, voilà, pourquoi pas. Y a Nicolas qui est là, Nicolas que j'ai vu hier. Nicolas, on était dans le même immeuble. Bref. Jordan, nouveaux édistes. Ah ben voilà, la réunion est là. Moi, j'adore ça. Moi, ça me fait, c'est ce qui me fait plaisir. C'est d'imaginer que les gens sont de chaque côté du monde et qu'on est là, à raconter n'importe quoi. Mais c'est ça. Bon, je ça le va. Dis pas. Non, mais aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a un vrai sujet. Voilà. Puis, est-ce que tu as remarqué la couleur du truc rouge derrière là? Moi, ça me fait penser à l'Oxam, hein, depuis que tu m'as dit l'Oxam. Ah oui, ça, j'y suis, là, je suis dans le truc. Ok, qui d'autre il y a là? Muriel, j'ai vu, Pegasus. Est-ce que quelqu'un a le nombre de... Cross-call, c'est quoi? Ça, c'est jeuneux. On va tout reprendre depuis le début, là. Bon, mais ça, c'est jeuneux. Alors, justement, on se posait la question, est-ce que jeuneux est à la Réunion? Est-ce que, jeuneux, tu peux me faire le plaisir de descendre au Smart Store de Saint-Denis et demander s'ils connaissent Cross-call? Ouais, voilà. T'as pas un téléphone qui s'enlève de Cross-Call que tu peux tenir en main? Bah, il t'a le tien. Bien sûr. Voilà. Alors, Cross-Call, c'est ça. Je te montre à côté. Attends. À côté, voilà le iPhone. X, voilà. Cross-Call, c'est ça. Ok. T'as vu l'appareil photo? T'as vu le truc là? Et puis, je vais pas le jeter par terre, mais Cross-Call, c'est un téléphone qui peut aller dans l'eau, dans la glace. Il peut faire plein de choses. Qui résiste à tout. Ouais, voilà. Et en fait. Chute. Cross-call, ça tient sur la moto pour le prochain road trip. Bien sûr. Évidemment. Mais bien sûr. Et d'ailleurs, et Mathieu, qui a regardé quelques images du road trip, est déçu qu'on n'aille pas faire en Corse. Ah oui, parce que Pascal, on devait aller en Corse et puis on n'y va plus. Enfin, on n'y va plus maintenant. On devait y aller là dimanche. D'accord. Hein. On devait enchaîner. Oui, c'est vraiment le type d'appareil, de smartphone qui va. Conçu pour faire tout ce que tu imagines. Hein, t'as aucune crainte sur rien. Résistance aux chutes, étanche. Et c'est bien que tu en parles, jeuneux, parce que j'aurais bien aimé savoir. Mathieu me dit que oui, mais j'aurais bien aimé savoir comment il est perçu à la Réunion. Ouais, dis-moi, avec plaisir. Parce que au Caraïbe, je sais qu'il y est, tout le monde en parle. Mon mari en a un et il est super content. Ben voilà. Merci de me faire confiance. J'adore le témoignage. C'est là. Laurie, salut Laurie, comment tu vas? Évangeline qui dit good morning. Alors, Évangeline, parce que Mathieu me suit sur Facebook, donc il est un petit peu au courant des histoires de chacun, mais je ne lui ai pas dit, Évangeline, tu sais qu'on suit ses amours, ses pérégrinations amoureuses en Irlande, ou je sais pas, enfin en Angleterre. D'accord. Alors, le truc, c'est que. Et on passe dans le privé, là.
Ah, mais Evangeline, elle le dit, elle nous dit. D'accord. Mais c'est ça l'avantage des agrumes, c'est qu'il n'y a pas de barrière entre le pro et le perso. On est capable de parler des qualités de Creusquale et en même temps de parler des amours d'Evangeline. Parce que tout ça, il n'y a pas de différence. Hein. C'est ça. Bah, c'est ça, c'est la vraie truc. Pascal, Michael, vu le soleil, vous n'êtes pas à Paris. Non, Michael, comme tu es arrivé, je t'évite d'aller relire tout le replay. On est à Aix, en Provence. Voilà. On est à Aix, il fait soleil et tout. Pourtant, hier, à Lyon, il faisait très, très mauvais. Hein. Puis, c'est pas dit que cet après-midi, il n'y ait pas d'orage. Mais enfin, on est là, c'est vrai qu'il fait chaud. Il fait très bien. Bon. Tu veux aller faire un tour à l'étage? Je vais d'abord leur montrer ça. Allez, ouais, carrément. Ouais, ouais, ouais. Alors, attendez. Tu sais que moi, je me promène partout, mais je vais te montrer un truc qui m'a épaté quand je suis venu ici. Hein, regarde. Regarde, regarde, regarde ce qu'il y a. Voilà. Ici, on est chez Creusquale. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est une salle de gym, ouais, tout ce qu'il y a de plus normal. Non, c'est pas tout ce qu'il y a de plus normal. Il m'a dit un truc qui m'a tapé à l'oreille. Ici, l'instructeur, c'est un ancien des forces spéciales. Ouais. Non, tu imagines le truc? Le gars qui fait le training des collègues, ouais, hein, des collaborateurs, ouais. Un ancien des forces spéciales. Donc, tu imagines déjà le niveau du truc. Quoi. Pauline est partie chercher en plus. Donc, ah ouais, en plus ouais. Et alors, évidemment, ici, tu as... Salut Martine. Qu'est-ce qu'elle dit, Martine? Coucou les petits, belle journée à tous et joyeux anniversaire aux agrumes du jour. Merci, je n'étais pas très droit. Voilà, ici, tu vois, tu as tous les appareils. Ah, merde. En fait, voilà, oui, comme on est chez Creusquale, il y a des trekkers, ils peuvent aller courir avec, ils ont leur perf et tout, ils se tirent la boue. Ouais, exactement. On fait le training, en fait, ce qu'on appelle le X-training, et puis on peut le suivre directement en ligne. Et donc voilà, ça c'est... Le training, c'est un programme qui est à l'intérieur? Ouais, en fait, c'est une petite appli qu'on a développée, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Et en fait, ça te permet de suivre ton parcours et de faire des exercices sur le parcours, etc. Et de le suivre directement avec ton Creusquale. Top. Donc ça, c'est développé par Teddy, qui est l'ancien des forces spéciales. Ah non, mais... Et qui développe la BU sport et bien-être chez Creusquale. Ouais, là, on est vraiment dans du truc qui est... on est vraiment dans l'usage. Je suis en train de me dire, j'ai pas... il y a un truc... on dirait que il y a un pied que j'ai pas déployé. Voilà, c'est bizarre. Non, mais c'est comme ça, c'est la vie. Salut Lilian, comment tu vas? Hier, je peux te parler de l'afterwork qu'on a eu hier à Lyon. On était un peu moins de 10, mais c'était la famille. Parce qu'en fait, on s'est retrouvés avec les vieux, enfin, quand je dis les vieux, les anciens des agrumes, parce que tu sais que la communauté va avoir 5 ans le 24 mai. D'accord. Je le dis, hein, je le dis à toi, si tu veux envoyer des fleurs, c'est le moment. Et donc, hier, il y avait des agrumes qui étaient là du début. On s'est retrouvés du début. Donc, tu sais, ça fait très repas d'anciens combattants. Ouais, tu te souviens, on s'est remémoré. Ah, tu te souviens, le premier afterwork qu'on a fait, c'était au Queen à Paris. Alors, ça faisait bizarre parce qu'on faisait la queue pour rentrer au Queen, mais on ne savait pas qui était qui. L'afterwork, ce n'était pas que des gens d'Orange, c'était mélangé. Et donc, et puis, il n'y avait pas trop les photos et tout. Donc, on se voyait et dit, mais, ah, mais toi, tu ne serais pas un tel, tu ne serais pas un tel. Ah, mais tiens, on va les forces spéciales, ouais, les forces spéciales, il arrive. Oh, putain, le gars. Viens, viens, Teddy, bonjour. Et voilà, lui, c'est Teddy. C'est lui qui fait le... Qui m'occupe de la salle de sport, tout à fait. Voilà, il dit ça. Attends, c'est pas une salle de sport comme non, les c'est autres. Une salle de sport. Non, c'est pas une salle de sport comme les autres. C'est une salle de sport qui est vraiment dédiée aux salariés. Ouais. En fait, le but, c'est de créer un espace fonctionnel pour leur donner un shot d'endorphine pour qu'après, les salariés soient bien. Et en fait, le shot d'endorphine, c'est vraiment cette... Comme on dit, c'est vraiment ce hutch qui donne envie de faire du sport, en fait. Voilà. D'avoir un... C'est comme ça qu'on parle. J'adore. Moi, je suis anti-sport. C'est-à-dire le alors, gars c'est qui... plus l'activité, vraiment. L'activité, c'est, j'ai même pas envie de dire du sport, c'est l'activité bien-être, mais c'est surtout pour se focaliser sur en fonction de la charge de travail que tout le monde a, de venir ici décompresser. Et une fois après, vous êtes reparti sur votre travail, pardon. Ça, c'est génial. Voilà. Et on reste sur des choses qui sont très, très simples en poids de corps pour éviter tout ce qui va être traumatisme et surtout préserver l'intégrité physique des gens. C'est le plus important. J'adore comme il parle. Donc ça, voilà. C'est top. Ça, c'est du vraiment feel-good manager, vraiment dans tous les sens du terme. Et on est chez Creusquale. Hein. Je dis ça. Il faut prendre, de la graine. Non, non, mais c'est vrai. Parce qu'on a eu une salle de sport à Olivier de Serres qui n'était, avec un coach, mais c'était, ça n'a pas suivi. Mais quand je vois ça, je me dis, mais voilà, c'est l'endroit où il faut. Hein. Bah, l'endroit, en fait, qu'il était pensé, quand je l'ai pensé, cet endroit-là, on l'a pensé à plusieurs. On l'a appelé SAS Expérience, on l'a appelé sous forme de SAS. Pourquoi? Parce que par rapport à mon expérience d'avant, quand j'étais à l'armée, on passait par des SAS, on appelait ça des SAS. Et le fait, en fait, c'est une vision qui va de l'entreprise, c'est de partir des vestiaires, d'arriver ici, de commencer en indoor. Donc vous pouvez commencer 2-3 exercices. Et après, la continuité, c'est de partir sur l'extérieur. Donc, c'est vraiment une salle de sport infinie, en fait, une salle de sport outdoor, indoor infinie.
D'accord. Le rapport avec les. Parce que je vois qu'il y a plusieurs appareils qui sont là. Tu peux nous en parler un petit peu du programme de Je peux vous en l'extérieur? parler, il y a des choses qui sont un petit peu secrètes. En gros, c'est juste un module qui permet aux clients et aux, comment, aux clients, aux salariés de CrossCall d'être un petit peu plus après autonomes dans leur pratique sportive, tout en étant encadré via quelque chose de nouveau qui sera une solution qui mélange de l'outdoor, de l'humain et de la technologie. Est-ce qu'il y a un challenge entre eux? Oui, on a fait un challenge. Alors on organise des petits challenges de temps en temps. Le dernier challenge, c'était un challenge rameur. Donc, en fait, on a mis le rameur, il y avait 1 000 mètres à faire. Et sur le mois, celui qui faisait 100 000 mètres le plus rapidement, ben, gagnait un petit lot. Et puis, voilà. Voilà. Mais après, voilà, c'est sur un mois et ça permet de faire vivre un petit peu cette ambiance. Et puis en plus des cours qui sont déjà encadrés, où j'encadre les cours le midi et le soir pour les salariés. Donc C'est top. si vous rendez les salariés heureux, après, ça contribue forcément dans la croissance de Voilà. l'entreprise. Voilà, tu as entendu comme il dit là, ce qu'il dit là, c'est ça. Voilà, c'est enregistré, hein. On est en live, Oui, mais c'est enregistré. Hein. d'accord. C'est que voilà, tu es passé. Bon, voilà. Mais écoute, je te remercie Pas de pour tout problème. ça. C'est vraiment gentil. Et puis voilà, et puis on en prend de la graine. Très bien. Je suis à fond. Ouais. Merci, à bientôt. Au revoir. Evangeline, it's really interesting. Qu'est-ce qui est interesting, hein? C'est le garçon ou c'est ce qu'il a dit? Ça ne va pas te quitter, ça. Hibiscus est là, salut. Oh, Janie! J'ai dit, mais je croyais que tu étais en congé. Comment ça se fait que tu es là? Bon, enfin bon, bref, profite bien. C'est super sympa. En tout cas, moi, je suis super content qu'on m'ait montré ça. Donc, tu vois, salle de sport, mais en fait, pas que. C'est une salle où, comme il a dit, tu sors du vestiaire, tu vas là, puis ensuite, tu vas à l'extérieur. Puis l'extérieur est magnifique. Hein. On est dans une zone autour de Aix, pas loin de la gare d'Aix, à 10 minutes de la gare d'Aix-TGV. Voilà, un truc au top. Allez, hop, on va aller regarder. Je vais te montrer. Parce que tu sais que je te partage un petit peu tout ce que j'ai vu. Un truc qui m'a fait super plaisir ici, en tout cas, c'est là où les équipes de cross call travaillent. Tu vas voir. Je te dis rien de plus, tu vas voir comment c'est foutu. Pour une fois que je peux me promener un peu partout sans qu'on me dise. Bon, y a pas, j'ai pas mis le stabilisateur, donc j'essaie de ne pas vomir quand même. Hein. Je sais qu'il est midi, mais bon. Donc là. Oui, c'est vrai, il y a une stabilisation d'image. Donc là, je monte l'escalier, je vais dans le haut, voilà. Ouais, non, mais c'est sûr, hein, quand on est des gens qui. Quand l'ADN, c'est le sport. I'm talking about the program. Ah, oui, je me doute bien, Evangeline, que c'est le programme qui t'intéresse. Je me doute bien. Voilà, donc là on rentre dans le sein du sein. Donc tu vois, pour l'instant je te montre pas grand-chose. Comme ça. Mais je peux te dire qu'ici, déjà très peu de gens sont rentrés ici. Très très peu de gens. Et là on est vraiment dans le cœur de CrossCall. T'en bouge pas, je dors. Voilà. Voilà. Alors ici. Si tu veux derrière, alors j'aurais dû commencer par le début. Là, tu as le boss. Les boss. Tu vois, vraiment. D'ailleurs, tu vois le bureau, la tête qu'il a. Et puis juste à côté, en open space, mais intégral, hein, je dis ça pour ceux qui se plaignent, ouais. Là, tu as la totalité des gens qui bossent chez CrossCo, alors que ce soit le SAV, l'IT. Les gens qui. Le marketing, les ventes, les machins, tout le monde est ici. C'est. Alors moi quand j'ai vu ça, j'ai ouvert la bouche. Il y a 90 personnes. Ouais. T'imagines? C'est top. C'est voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Petite équipe, format start-up. Petite équipe. Très jeune. Ouais, très jeune, ouais, bien sûr. Évidemment. Moyenne d'âge, 35 ans. Enfin, ouais. Autant de filles que de garçons. Quasiment. Ouais, c'est assez équilibré. Ouais. Ouais. Assez équilibré. Ouais. Puis alors. T'entends? Je sais pas si tu entends. Tout le monde bosse, hein. On s'entend. Ouais. Voilà. On s'endort pas à chaque fois. Non, on s'endort pas. Non, franchement, c'est bien. Moi, je suis très très content. Très content. Je vais te montrer l'autre partie qui est dehors. C'est la partie où ils mangent le midi et puis où ils vont se détendre après le sport. Voilà, je passe comme ça. Bon, ils n'ont pas signé le droit à l'image, mais regarde, tu vois, là tu as toutes les équipes développement, ceux qui travaillent. C'est bien, hein? C'est top, bonjour. Et donc, a priori, donc là, tu vois, il y a toute la gamme. Et puis ici,
un petit espace. Moi, j'aime bien les petits espaces comme ça. Parce qu'à la limite, j'allais presque dire, c'est, tu es en train de bosser, puis à un moment donné, tu veux voir autre chose, bah, tu viens te mettre là, tu discutes. Tu discutes. Elle est en train de fuir l'image. Je crois qu'elle a signé un contrat avec Sony Music, donc elle ne veut pas qu'on la voie. Tu vois, cette œuvre d'art, là, comme m'expliquait le boss, il y a un contrat avec... La FRAC. Viens. N'aie pas peur, N'aie pas peur. Belle gosse, hein. Je vais avoir mon selfie après. oui, tu me disais un contrat avec. Avec la FRAC. Donc, du coup, en fait, eux, ils gèrent l'art contemporain en fait au niveau régional ici. Donc, on a un contrat avec eux qui fait qu'ils nous prêtent des œuvres pour un temps déterminé. Donc voilà, on a pas mal d'œuvres dans toute la société, donc on va les garder pendant un petit moment et après, à un moment donné, on va avoir un roulement et on va en avoir des nouvelles qui vont apparaître. Voilà. Donc ça va permettre de promouvoir l'art contemporain, les nouveaux artistes et aussi de mettre un peu de couleur chez nous. Tout à fait. Voilà, très bien. Ouais, j'ai vu ça sur un site à Marseille, je crois que c'est à Saint-Mauron, où des collègues avaient fait des photos. Il y a eu un concours photo et ils avaient placé dans les couloirs des œuvres. C'est un peu le même principe parce que un bureau, c'est pas obligé d'être triste, hein. La preuve. Voilà. Et là, le clou du spectacle, de l'autre côté, on peut sortir sur le truc. Oui, bien sûr. Ah. Il y a du vent, il y a du vent. Là, regarde. Voilà. Alors, je ne sais pas si le temps que ça fasse le point. Voilà. Donc, voilà. Donc, si tu veux, là, bureau, œuvre d'art, on discute et tout. Et puis là, derrière, bon, c'est pas grave. Ça revient derrière. De toute façon, le replay sera complet. Donc, voilà. C'était comme ça, vite brossé un petit peu. Cross call à Aix. En tout cas, merci Mathieu. Puis merci. Comment tu dis, Pauline? Pauline. Merci Pauline. Pauline, je sais pas, hein, elle a beaucoup du mal, elle a beaucoup de mal avec l'image. En tout cas, merci de m'avoir reçu ici. Moi, ça me donne une ouverture d'esprit, non seulement sur le produit, mais bon, ça le produit, c'est sur les tests et sur l'usage qu'on va être, on pourra en dire plus, mais surtout sur la façon dont ça bosse et que ça bosse quand même pas mal avec Orange, parce que je peux te dire que partout où j'ai été, quand on m'a présenté, ouais, ils viennent d'Orange, ah oui, Orange, c'est un bon client et tout, ouais. Etc. Donc voilà, et en plus, bon, c'est français. Exactement. Ouais. C'est à taille humaine, c'est-à-dire que. Hein, on a 130 personnes au voilà, c'est ça qu'il y a. C'est une petite structure. Exactement. Et puis, si toi aussi, c'est des choses qui t'intéressent, regarde. Et puis, tu me demandes, de temps en temps, je dirai à Mathieu, tiens, est-ce que tu peux nous faire. Parce qu'ils ont des super reportages. Je mettrai en lien tout ce qui concerne CrossCall. Il y a des super reportages qui sont, comme ils sont très accrochés avec des sportifs de haut niveau, des gens qui sont dans des trucs un peu outdoor et tout. D'accord. Ça. Voilà. Ça peut valoir le coup d'aller regarder un petit peu ce qui se fait. Et puis, des gens comme moi qui sont anti-sport, enfin qui font pas de sport, montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec le matos. C'est ça. Voilà. Bon, je vais te laisser. Quelle heure il est? Les midi, 14h à la Réunion. Matinale, tu vois. Ouais, c'est une midinale. Moi, je suis content, je suis bien. Allez, des gros bisous. Merci encore à vous. Merci. Et à puis, toi, tu sais que tu restes cool, tranquille. Ne t'inquiète pas, c'est le week-end qui démarre. Si tu bosses ce week-end, tu sais très bien que l'argent que tu vas rapporter, ça va faire mes primes l'année prochaine. C'est important que les choses soient claires. Oui. Et pensez aux nôtres. Et oui. Voilà, exactement. Donc, on est avec toi. Voilà. Hein, reste dessus. Allez, on se retrouve demain pour une autre matinale. Bye bye.